Alors, très vite. Avant, je remercie notre partenaire de Protège, M. Paul-Janier, la Ligue des Nations, qui m'a aidé dans le financement du projet. Et voilà, donc un vrai message d'espoir et de passe positive pour cette représentation qui est en train de l'année prochaine. J'espère que ce qui sera tout en attente. Et merci vraiment d'avoir été notre invité pour l'émission. À bientôt peut-être. Très volontiers. Et bonne à tous. C'est là que c'est dommage qu'il faut en rajouter un peu. On refait. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce midi, la pagaille est ouverte à la SNCF. Une vague de communication du trafic aujourd'hui. La SNCF Crédit Lyonnais continue de mobiliser l'actualité aujourd'hui. L'État a notamment déposé un recours contre l'arbitrage rendu dans cette affaire. Et puis enfin, on connaît le 15 de France qui a fait un test match. Comment on fait là? 80 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre civile en février 2011. Un chiffre publié aujourd'hui par l'ONU estime 300 enfants notamment ont perdu la vie. Ah oui, on fait ça, oui, d'accord. Retour en France, c'est plus. Je reprends un côté après. Vous pouvez bientôt le faire chez un duraliste. La financière des témoins électroniques va lancer le compte Nickel. Âgé de plus de 18 ans et muni d'une pièce d'identité valide, il vous suffira d'aller dans un bureau de tabac, acheter un coffret à 20 euros, à l'intérieur une Mastercard et un mot de corps. Ensuite, vous vous rendez à une porte Nickel où vous renseignez les informations demandées. Ce se passe avec le duraliste. Il nous réduire quasiment à 4 carbos au mois de mai. Pour que les choses évoluent dans le bon sens, ça demande que l'État au plus haut niveau, jusqu'au niveau du chef d'État, François Hollande, fasse entendre raison à Antoine Frérot. Pour nous, ça fait compte d'ici le 20 juin, pour que la réunion conceptuelle de toutes les SNCM aille dans le bon sens le 20 juin. Alors, le d'ailleurs, on est quand même surpris par le caractère, disons, élastique des chiffres. 105, 104, 75, 90, 94, on a du mal à s'y retrouver. Quelles sont les raisons exactes de la question? Mais d'abord, ce n'est pas une offre de la SNCM, c'est une offre commune méridionale SNCM. C'est vrai que si on compare avec les chiffres des années 2000, hors indexation sur le prix de la vie, hors indexation sur le carburant, ça peut surprendre. Donc aujourd'hui, l'exécutif s'est exprimé, mais avec des limites, parce que dans la mesure où les négociations continuent, l'ensemble des chiffres ne peuvent pas être discutés par les commissions d'appel d'offres. Je pense que des choses très sérieuses ont été dites autour de 90-95 millions d'euros, plus l'indexation, mais il faut voir les choses pour le temps. On est dans le maritime, c'est vrai que les chiffres du maritime impressionnent très très vite. Pour une compagnie maritime, c'est pas très simple d'avoir un actif qui représente deux fois l'endettement, donc on est vite sur 10-15 millions d'euros par navire et par an selon ce qu'on veut faire, que ce soit sur la Corse ou pour des autoroutes. Cancellare una volta finita.
là, bien sûr, je sais pas. Quoi ? Avec cette troisième émotion qui sera en concert cet été en Corse, qui a sorti un nouvel album et qui vient démarrer une première partie en France. Et c'est un véritable succès, c'est vrai, parce que ce tournée se terminera d'ailleurs en France. Hein, je dis, avant de venir nous voir chez nous, dans l'île, et bien elle se terminera au Zénith le 26 mois prochain. Dans un instant, Jean-Marc Tchécal lui donne le Zénith de Paris. Bien sûr, et puis aussi Texas, côté souvenir, en attendant le prochain rendez-vous de la Sinclair, ce sera 15h30. Bon de vous, Mésiel. Dans quelques instants, le retour de la musique sera là. Joyeux anniversaire! Mais c'est pas mon anniversaire! Non, c'est celui de Trima! Mais il te faut un million de cadeaux! Non, à moi? Oui, jusqu'au 15 juin pour ses portes ouvertes anniversaire, Trima t'offre plus de 2 000 euros de réduction, cumulés sur les fenêtres, volets, portes d'entrée de garage! Et tu peux même devenir volé!